Bonjour, je m'appelle Hicham Fadel, je suis CEO de T-Ledger, une start-up 100% tunisienne labellisée dans la catégorie des fintech. Nous étudions des solutions de gestion de paiement mobile, entre autres les wallets. Nous équipons les grands comptes, les start-up e-commerce et autres activités on-demand. Et nous essayons de les aider à mieux gérer les paiements de leurs clients. Nous avons commencé à travailler avec la technologie blockchain depuis 2016, avec l'application DigiCash de la Poste tunisienne. Nous avons acquis pas mal d'expérience depuis sur cette technologie et aujourd'hui, nous souhaitons intégrer la sandbox de la Banque centrale de Tunisie, car c'est l'endroit idéal pour pouvoir tester, améliorer notre plateforme d'émission de monnaie digitale. Les monnaies digitales de banque centrale ou CDBC sont une tendance lourde aujourd'hui dans le monde, sponsorisées par des grandes institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales dans le monde qui sont en train de tester ces nouveaux produits pour améliorer les paiements et aller vers plus d'inclusion financière. Nous avons commencé à travailler sur le dinar digital depuis 2018 avec les équipes de la Banque centrale de Tunisie et nous avons attendu impatiemment la sandbox pour pouvoir passer à l'action et commencer à tester ce nouveau produit et voir avec les équipes de la Banque centrale quelles sont les réglementations, s'il y en a, qui doivent être adaptées pour pouvoir préparer la nouvelle phase de ce type de monnaie qui verra le jour dans le monde et en Tunisie dans les mois, voire les années qui viennent. Merci.